Bonjour à tous, c'est Ben pour Ben Auto. Aujourd'hui, je vous emmène aux États-Unis avec une voiture japonaise qui a été produite qu'au Japon et qu'aux États-Unis. C'est Rudy qui va nous la présenter et il vient nous présenter son Acura Integra. Rudy, merci d'être là. Merci à toi, Ben. Avec grand plaisir. Présente-toi. Alors moi, c'est Rudy, 27 ans, passionné d'automobile et tout ce qui a un moteur, en fait, et des roues. D'ailleurs, c'est pour ça que j'aime bien mon petit Ben. Hein. Depuis mon plus jeune âge, entre guillemets, je ne suis pas très vieux, hein, 27 ans, j'ai eu pas mal de Honda et donc je fais un petit historique. Ouais, Ben. dis-nous ce que tu as eu. Donc j'ai commencé à 18 ans, enfin même un petit peu avant, 17 ans, quand t'es accompagné sur un CRX ED9, on y reviendra plus tard. Ensuite, j'ai eu la chance, 19-20 ans, d'acquérir une belle Integra Type R jaune. Ben doit s'en souvenir. Je m'en souviens, en effet. Elle se souvient aussi d'un bel arbre. Il s'en souvient aussi, en effet. C'était beau. Comme si l'arbre avait fait son marché. Pour me calmer derrière, j'avais besoin d'un truc un peu plus tranquille. Du coup, j'ai pris une belle Nissan S14, tranquille. Tranquille, ouais. La S14 était toujours en panne, du coup j'avais besoin d'un daily du week-end. Donc du coup je me suis acheté une petite Swift Sport. Et en fait une semaine après, je suis allé faire un slalom avec et je me suis dit faut que je vende la S14 et que je vais préparer la Swift. Donc j'ai préparé la Swift. Donc je suis revenu à mes premiers amours, les petites tractions légères et sympas. Derrière la Swift, ça a mal fini. C'est-à-dire qu'elle devenait un roulable sur route parce que j'étais allé vraiment trop loin. Et j'avais besoin d'une voiture de week-end un peu sympa. Je voulais retrouver un youngtimer un petit peu comme à l'époque, comme mon CRX, mon premier amour en fait. Et voilà, on en est là. Bon, alors aujourd'hui, il nous présente un modèle rare qui est, selon les recherches, peut-être unique en France. C'est du peut-être, on n'est pas sûr à 100%. Mais en tout cas, les autres ne sont pas connus. Ouais. Donc je place un truc. S'il y en a quelqu'un qui en a une, faites-moi signe. Envoyez ça en commentaire en bas si vous en possédez une, parce que c'est pas courant du tout. Mais je pense pas. Viens, on va faire un tour de la voiture et puis tu vas nous expliquer un petit peu l'histoire de la marque Acura, parce que Acura, chez nous, ça n'existe pas. Non. Contrairement aux autres marques japonaises qui ont toujours une filiale luxe comme Lexus pour Toyota et Infiniti pour Nissan. Quand même récemment chez nous. C'est vrai. Dès le début, on ne les avait pas. Bon, Acura, pour commencer déjà, il faut se projeter dans les années 80. Dans les années 80, les Japonais se vendaient pas trop bien aux USA. Elles avaient une mauvaise image, un peu comme ici en France d'ailleurs. C'est vrai. En France, ça n'avait pas une super bonne image. Pourtant, c'est des bonnes voitures. Mais... Et du coup, ils avaient besoin de se refaire une image. Acura a commencé en premier en 86. Ensuite, il y a Lexus et Infiniti qui ont suivi en 89. Donc Lexus, Toyota, Infiniti, Nissan. Et ils ont réussi leur tour de force quand même pas trop mal, puisque la première génération d'Integra, par exemple, s'est vendue à 226 000 exemplaires. Donc là, on est réellement sur un modèle spécifique au marché américain, au niveau des badges déjà et des options, parce que au Japon, elles avaient des différences de carrosserie, etc. Ouais. etc. C'est assez ouf d'une voiture qui est autant équipée pour l'époque. Ouais. Même aujourd'hui, en termes d'options, on n'est pas ridicule du tout. Aujourd'hui, on est mieux équipé qu'une Dacia bas de gamme. J'aimerais quand même préciser pour Acura des petits fun facts sympas. Acura, en fait, déjà, ça veut dire « à coup » en latin. Ça veut dire « fait avec précision ». Et en plus de ça, le sigle, c'est un H qui est replié. Ouais, on voit en haut là, en fait, c'est bien le signe A pour Acura, et en fait, c'est vraiment le H de Honda qui est pressé en haut, et du coup, qui a la forme du compas, comme on disait tout à l'heure. Il faut savoir que nous, en France, on connaît très mal les Integra, parce qu'en fait, on les a connus qu'en 98 seulement. Et qu'avec la Type R. Qu'avec la Type R et qu'avec la Gen 3, du coup. Et qu'en coupé. Mais en fait, une Integra, c'est bien plus que ça. Donc à la base, déjà, c'est des bases de Civic. Ça a toujours été des Civic, que ce soit là. Il y a eu 4 générations d'Integra. Il y a eu la première qui est sortie en 86, jusqu'en 89, donc qui est sur base de Civic 3G. Celle-là,
qui est sur base de Civic 4G, donc qui a fait 89-93. Ensuite, il y a eu celle qu'on connaît, donc la troisième génération, qui a eu plusieurs phases. Et ensuite, on est passé directement sur la génération des EP, donc c'est-à-dire 2001-2006, qui sont les DC5, donc Acura RSX aux USA. Celles-là, par contre, sont les seules à ne pas avoir existé en Sedan, les RSX. Donc c'est que les coupés. Chez Honda, c'est un peu compliqué quand même, parce qu'il y a énormément de versions et de variantes du même modèle. Donc c'est chaud à suivre, j'espère que tout le monde arrivera à bien suivre. C'est d'ailleurs pour ça qu'on ne les a pas eu ici. Tout à l'heure, on en parlait avec Ben. Ouais. On pense qu'elles seraient cannibalisées avec la Prélude ou avec les accords. Complètement. Ce serait un marché fouillis, en fait, parce que c'est vrai que chez nous, on va en connu, on a l'accord, la Prélude et la Civic. Voilà. Et c'est trois gabarits différents qui suffisent. Il y avait les coupés aussi, donc. Ouais, voilà. Donc il y avait les Civic Sedan aussi, donc la gamme était énorme. Ouais, c'est vrai. Et ici, avec les quotas, on ne pouvait pas se permettre de tout avoir. Alors, on en vient du coup à ton modèle. Alors. Explique-nous un petit peu ce que tu as fait dessus, comment tu l'as eu. C'est une belle histoire quand même. C'est donc cette voiture, je n'étais pas parti là-dessus. Je voulais une voiture young moderne, c'est-à-dire une voiture début 2000. Parce que la Swift, donc comme je disais, je l'avais passée en compresseur. Elle a commencé à être un petit peu difficile à rouler sur route ouverte. Donc je voulais une voiture pour la route. Donc à la base, je cherchais Piqué Honda. J'avais envie de revenir à la marque. Donc j'étais parti sur une Accord Coupé V6. Donc rien à voir. C'est une voiture de papa avec un V6 boîte auto. Je voulais une voiture pour pouvoir rouler, faire de la route sans problème. Et en fait, le matin, je suis allé en voir une sur Alès ce jour-là. Et j'étais très déçu du modèle en fait. Donc la veille, en fait, on est avec des potes. On avait vu cette voiture qui était un collègue à nous, coucou Alex. Et en fait, on avait parlé, j'avais dit « Ah, oh, c'est vieux et tout ». Puis, quand même, c'est bon délire, parce que c'est une voiture qui m'a toujours fait kiffer. C'est une voiture qu'on n'a pas ici. Et donc l'après-midi, je suis parti du fin fond des Cévennes et je suis allé dans le 83, donc à l'autre bout, la voir. Et en fait, quand je l'ai vue, j'ai craqué. Déjà, elle avait une historique qui était limpide, et qui était assez marrant. Donc la première propriétaire était une New-Yorkaise expat là-bas en fait. Elle avait acheté neuve du coup en 91, et de 91 la voiture. Elle est venue habiter en France avec en 2002, et elle a gardé jusqu'en 2016. Donc déjà ça fait une première... C'est trop marrant quand même que des gens soient autant attachés à leur voiture pour les faire venir, parce que ça coûte quand même un certain billet pour ramener une voiture des États-Unis. Surtout une caisse comme ça, c'est pas péjoratif, mais qui est quasi sans valeur. Parce qu'au final, elle a dû lui coûter deux fois le prix rien qu'à la ramener, que de la laisser là-bas ou de la vendre sur place. Je trouve que c'est une voiture quand même assez basique dans l'idée. Donc, puis c'était une vieille voiture pour elle, mais elle y était attachée. Sauf qu'à la fin de sa période où elle était avec elle, en fait, elle est allée chercher du bois dans la colline avec. Donc elle lui a un petit peu fait mal à cette voiture. Puis c'était une personne âgée, donc voilà. Alors derrière, il y a Alex qui l'a rachetée. Qui l'a gardé jusqu'en 2019. Alors, tu as trouvé ça Je l'ai racheté. Mais en fait, ouais, bah, c'était avec Panta, avec Cédric, il l'avait trouvé. Coucou les gars. Et du coup, voilà, il a gardé un petit peu, il a fait 2-3 frais dessus. Très belle histoire. Voilà. Et moi, derrière, je suis arrivé, en fait, et du coup, j'ai vu ça, je me suis dit, putain, bon délire. Titillant. Ouais. Puis en plus, je l'ai essayé, ça m'a rappelé mon CRX mélangé à mon Integra, parce que l'intérieur, c'est vraiment, ça ressemble vraiment à une 4G, mais le feeling à la conduite ressemble vraiment à une Integra. C'est-à-dire c'est une voiture qui est beaucoup plus rigoureuse et assez précise, avec un moteur qui est assez volontaire, et franchement, c'est sympa. Du coup, voilà, j'ai craqué, je l'ai acheté, et en plus, c'est une version rare, parce que c'est une GS avec le cuir. Donc version haut de gamme. Donc dis-nous un petit peu les versions qu'il y a eu de cette Integra-là, parce qu'il y en a une chier encore. Il y en a eu plein. Alors, au Japon, il faut préparer les Doliprane. En phase 1, on a eu RS, LS, GS, et après GS L avec le cuir, donc celle-là. En fait, c'est des voitures qui... tu peux pas l'acheter, c'est un cheveu sur la langue. Ça fait con. Non, ça fait con. Voilà. On m'a toujours dit, ouais, mais les filles, ça leur plaît que tu les donnes. Mais couille, ouais. La GS, donc ce modèle-là, c'est la version la plus haut de gamme. Donc, avec régulateur de vitesse. Vitre électrique, rétroélectrique, tour électrique, vente électrique, je ne sais pas si on la cite, les enceintes à l'arrière, le cuir, parce que c'est la version L, entre parenthèses, qu'est-ce qu'elle a de plus, la clim. C'est quand même putain d'équipé. Hein. Bon, elle n'est pas d'origine. Non, elle n'est pas d'origine parce que... d'origine, il faut dire ce qu'il y a, ça reste une voiture qui est assez random, assez fade, je trouve.
Et je voulais quelque chose de discret, mais avec une bonne gueule quand même. Alors toi, ton but, c'est de faire, comme on dit, OEM. OEM, ça signifie pièce d'origine. Donc on est dans une préparation, entre guillemets, OEM+. C'est ça, sans dénaturer l'auto. Voilà, qui aurait pu être éventuellement faite par des préparateurs à l'époque ou s'il y avait un dérivé de version sportive. C'est ça. Donc là, on commence par les jantes. Alors les jantes, voilà, j'ai réussi à avoir au Japon des petites jantes Mugen, donc qui sont de 92, qui sont sorties à la base pour des Civic EG. Donc on est période correcte quasiment. Elles sont très simples et très belles. Je trouve que le dessin des branches est très original comparé à ce qu'on peut voir habituellement. Et c'est la jante assez simple, t'es en 15 pouces là, c'est 15 ça 15 pouces, et okay. Ces jantes forgées sont très très forgées en plus, d'accord. Donc il y a les freins en 260, et du coup ces jantes sont designées pour ça en fait. Sont designées pour ces freins là, donc on verra devant, ça passe au poil de cul mais... Bon après du coup tu l'as un petit peu rabaissé parce que rabaissé, ouais. L'un ne va pas sans l'autre. Hein. Elles sont vachement hautes d'origine. Mais c'est quand même discret et sobre, elle est pas posée au sol non plus. Et en suspension, t'es en quoi là-dessus? BC Racing V1, donc, qui est la variante street, entre guillemets, des BC Racing. Et donc, peinture complète aussi? Peinture complète, ouais. Qui est très belle. Faite par des collègues à moi, je peux placer... Oui, bien sûr, bien sûr. Du coup, faite par Platinum Carrosserie à Carnoux, qui ont fait un boulot de folie par mon collègue Mehdi et par Sébastien. Du coup, vous ferez une petite remise à Ben, parce qu'il doit... Je connais Mehdi, salut Mehdi. Parce qu'elle mérite, vu qu'elle est seule, elle méritait quand même une belle... Parce qu'elle était pleine de coups, vu qu'elle a servi dans la colline, elle était pleine de coups, elle était fracassée. Puis par contre, pas de rouille. Voiture new-yorkaise aussi, donc voiture de ville. Forcément, ça s'abîme. Ouais, elle est restée plus de 10 ans en ville, donc 11 ans en ville. Donc, C'est fou quand même de savoir qu'elle a traîné à New York 10 ans et qu'elle est maintenant chez nous, ici, là, d'un joli cadre. Voilà, donc peinture complète. J'ai mis des feux, montre des petits feux. Des feux avant japonais qui sont d'un petit feu, ouais. Ils font 3 mètres de long, le bordel. Donc c'est des feux avant japonais. N'empêche, ça lui fait une face avant très agressive, ouais. Je trouve. D'origine, c'était scindé en 3 parties, en fait. Et je trouvais pas ça ouf. Ça faisait... Ah, c'était 3 pièces séparées. 3 pièces séparées, ouais. Donc il y avait les veilleuses, là c'est les anti-brouilleurs, et là c'est les feux avec les pleins feux dedans. Du coup, vu que c'est un modèle US, on a les veilleuses qui sont intégrées aussi au clignotant. Et du coup, tu as 2 fois le clignotant devant. Ouais, ça qui est marrant. Tout à fait. C'est vrai qu'elle en impose quand même. Ouais. Et c'est vraiment un design des années fin 80, début 90. On peut pas se tromper. C'est la voiture qui bouge. Ouais, c'est vrai. Alors, tout de fou, c'est que ces feux, ils sont en plastique. Et ça, pour l'époque. C'est du plastique. Ça, pour l'époque, c'est. Ah ouais. Au Japon, c'est. C'est vrai que c'est rare les feux en plastique à cette époque-là. À cette époque-là c'est tous en verre normalement. Donc ça, pour la sécurité, c'était très bien. Ouais. Donc qu'est-ce qu'il y a eu d'autre sur cette voiture? Donc j'ai mis des durites aviation parce que la sécurité, c'est important. Exactement. Et les freins sur une Honda, c'est pas ouf. Même si celle-là a des freins quand même assez corrects. Voilà, du coup, j'ai changé l'aileron. L'origine, il y avait un aileron de R19 dessus. Ah ouais? Non, ça ressemblait. Okay. Le Renault 19 Shimano. J'étais pas super fan. Déjà que la voiture, elle était un petit peu banale. Mais par contre, c'est une option GS. Il n'y a que les GS, donc cette finition-là, qui avait ça. Ok. Donc je l'ai gardé, de toute façon j'ai tout gardé précieusement, hein, tout ce qui est pièce d'origine. Puis une petite sortie d'échappement. C'est ça, il y a un petit sympa, retravaillé. Alors celui d'origine était fatigué. De base, on part sur un double tube aussi. Pareil, c'est identique. De base, le silencieux était fatigué, du coup Alex, l'ancien propriétaire, a refait faire par un collègue à lui une double sortie c'est très propre. Qui ressemble à l'origine, qui avec une petite sonorité sympa. La voiture reste catalysée, elle est catalysée. De 91 aux USA. Ah ouais, oui. Les USA, c'était vachement. C'est vrai qu'à base, c'est en avance par rapport à chez nous, alors qu'en fait, ils s'en branlent complet de la pollution. On pourrait croire justement que les voitures US polluent beaucoup, mais c'était énormément dépollué. En fait, la voiture sort pas énormément de choses, parce qu'elle fait que 130 chevaux d'ailleurs. C'est quand même sympa. Quel poids d'ailleurs? Ça fait une tonne 2. Une tonne 2, ok. Une tonne 2. Ça reste, vu les options, c'est cohérent quoi, c'est pas abusé. Alors voici le petit cœur de la bête. Donc du coup t'avais une petite anecdote sympa à nous raconter sur le cache cubuteur. Alors c'est le cache cubu ressemble énormément à ceux qui connaissent les CRX et première et deuxième génération avec les D16. En fait ça rappelle le moteur de Formule 1 de l'époque, qui était par exemple le moteur de la MP44 de Senna, qui était comme ça. Bon, c'était un moteur en V, donc il y avait deux couvre culasses. Mais ouais. Voilà. C'est des petits rappels comme ça, toujours innés de la compétition. Donc, dans la baie moteur, pour rappel, les specs, du coup, 1834 cm3, traction, boîte manuelle, 130 chevaux. Pas d'autobloquant. Pas d'autobloquant. En option au Japon sur les versions en B16, et d'origine sur les versions GSR, du coup, en phase 2 avec le B17, 1700. Donc ce moteur-là, c'est un moteur qui a une course de B20, pour ceux qui connaissent, donc comme un CRV,
mais avec un alésage de B18. Du coup, ça fait un moteur course longue. Pour une Honda, c'est une voiture qui prend pas beaucoup de tours, ça prend 7200 tours. Donc voilà, c'est un petit moteur injection, donc avec le PGM FI, programmé de fuel injection. Donc qui est l'injection Honda. On va parler des petits détails qui sont bien sympas et spécifiques vraiment au marché américain. Ça, c'est la petite étiquette, je suppose, du revendeur et peut-être celui qui a entretenu les voitures. Mm-hmm. On a la plaque aussi qui est rivetée, comme si tu l'aurais fait dans ton garage avec les rivets jaunes d'anciennes plaques d'IMAT. À savoir que c'est des voitures qui étaient fabriquées au Japon quand même. Hein. C'était des voitures qui... Donc ça, c'est certainement ajouté quand elle arrive sur le sol américain. C'est ça, voilà, pour l'homologation américaine. Mm. Tout à fait. Et puis, tu as une barre anti-rapprochement Vision. Voilà. Vision Technica. Donc, qui est le fabricant des barres Spoon de l'époque. Donc j'ai réussi à la trouver, d'occasion neuve, dans le carton emballé aux USA. J'ai payé une petite fortune, mais c'est beau. Donc celle-là, pour en revenir du coup, ici, tu peux regarder, il y a le bloc ABS. Donc c'est un ALB qu'on appelle ça. C'est le même ABS qu'il y avait sur les NSX à l'époque, et sur les Préludes d'ailleurs. Qui est quelque chose, un ABS un petit peu primitif, qui est vachement lourd, et qui se déclenche vachement tard, et qui n'est pas terrible. Mais il est là, il fonctionne quand même. Donc, ensuite ici, tu peux... Chose sympa aussi, c'est le régulateur de vitesse qu'il a. Donc, il y a une alarme, le boîtier. On le verra dans la vidéo. Enfin, je sais pas si on arrivera à le voir, mais il tire la pédale en fait. On va essayer de filmer ça. Parce que vu que c'est un accélérateur à câble, ouais. Il tire la pédale. Alors ça, c'est trop drôle, les ceintures comme ça automatiques. C'est aussi pour ça que je l'ai acheté la voiture. Quand je l'ai vu, j'ai craqué. Du coup, tu sais pas comment monter. En fait, c'est complètement idiot. Hein. Vous avez la ceinture qui est devant. Il y a juste à se présenter. Hop. Et en fait, quand tu fermes la porte, c'est trop classe. Franchement, c'est trop classe. Et t'as une ceinture du coup ventrale qui est ici. Je sais pas si on la verra. Voilà. Et du coup, tu la boucles. Voilà. Je sais pas si on a bien vu avec le stabilisateur de la GoPro. Et quand on ouvre la porte, c'est délire. Donc bienvenue à l'intérieur, ambiance très cosy. C'est cosy à mort. Bah en fait t'as pas le choix, quand tu montes dans la voiture t'es forcément attaché. Bah pas forcément, s'il y a pas le contact, moi elle me libère. D'accord, moi par contre je suis toujours arraché, elle veut pas que je descende. Toi il faut que tu ouvres la porte en fait. Ok. Alors t'as fait des petites modifications quand même à l'intérieur. Oui, rien d'irréversible, que des trucs... Les puristes, il faut pas s'inquiéter. On commence par le petit pommeau. C'est vraiment le genre de pommeau que j'aime beaucoup. C'est un pommeau assez rare, qui vient d'une NSX Zanardi. Donc, authentique ? Je sais pas. De toute façon, c'est authentique ou wish. C'est ça. Donc ensuite, le volant. Donc j'ai réussi à conserver le régulateur de vitesse, via des petits boutons de chez AliExpress Racing. Donc c'est un... Et ça fonctionne. C'est un volant Momo Monte Carlo, du coup, le même qui était vendu par Spoon, qui est toujours vendu par Spoon d'ailleurs, à l'époque. Et donc, sauf qu'il y a les coutures noires, j'avais pas mis des coutures rouges comme le Spoon, ça aurait fait tache un petit peu dans la. De toute façon, c'est soit tu privilégies les coutures noires, ou alors des surpiqûres ton intérieur, ça aurait pu être cool aussi, mais bon, si c'est pas cool, dispo. Ouais. Ça aurait pu être cool. Et voilà, y a pas... Alors j'aurais mis un volant pizza. Ou une 4 fromages. rigole pas, hein, j'y ai pensé. Un volant pizza, c'est un volant avec des pizzas gravées dedans. Mais bon, ça aurait fait un peu too much. Bah, il faut aimer la pizza, quoi. Ouais. Donc c'est à peu près tout. Après j'ai fait un petit peu de la cosmétique sur le rétro baudouin, ça c'est quelque chose qui se démonte, mais bon quand on a l'habitude de rouler avec ça après on a du mal à s'en passer. C'est vrai que c'est pratique quand même. C'est juste clipsé en fait. Ah ouais, ok. Voilà. Et ouais. Ça t'élargit le champ de vision arrière. Ça c'est... J'avais ça dans la Swift, ça me permettait sur piste de vraiment voir les angles morts, c'était pratique. C'est vrai que c'est pratique. Donc voilà, pour revenir à l'intérieur du coup, qu'est-ce qu'on a? Du coup on a une climatisation manuelle qui fonctionne bien. En plus, vu que c'est une américaine, elles avaient les gaz qui allaient bien à l'époque et qui sont encore ici à l'ordre du jour. Mmh. Donc on a un magnifique toit vitré teinté dans la masse. Donc c'est très beau. Et en plus, ce qui est bien, c'est que le jour où on a trop de lumière, hop, on est comme dans un vrai coupé. Et en plus, ce qui est assez rare chez Honda, comparé au CRX par exemple, que je connais bien, le CRX, le toit ouvrant, sortait à l'extérieur. Vas-y, ouvre-le. Là, il rentre... Attention, elle va m'agresser la ceinture. Là, il rentre à l'intérieur. On le voit coulisser comme ça.
Alors, les sièges sont d'un confort de fou. T'as mis ta ventrale, t'as peur qu'on se crache là. Ah bah je l'avais laissé. Alors la ventrale. Il y a des crashs à l'arrêt. Hein, la ventrale a le. Mais pas trop les mains près de mais mon. Mais par contre, celle-là non. Celle-là n'a pas le qu'on appelle. Y a pas l'arrêtoir là. N'a pas l'arrêtoir. Ah ouais. Non. La ventrale, oui, c'est pour ça. Donc, que. En gros, tu peux traverser par où c'est ça. C'est pour ça que les ceintures automatiques ont été bannies assez rapidement au milieu des années 90. Parce qu'elle s'était jugée dangereuse et inutile. Bah au final, en fait, tu finis avec une ceinture ventrale. Parce que si celle-là ne fonctionne pas en cas de choc, elle sert à rien en vrai. T'es sérieux, Ben? Quoi? Tu crois vraiment que quand t'as une ceinture comme ça, tu mets ta ventrale? Regarde, on a fait le trajet. Mais dis pas, il y a la police qui regarde. Un peu d'entrée, mais je l'ai déjà conduite avant. Déjà, mais c'est un super compromis entre plaisir de rouler arsouille et confort. En fait, tout est vraiment fait dans le confort. La direction, en fait, chaque voiture que je conduis, à part le combi, la direction, c'est vraiment du n'importe quoi. C'est un tir à la ficelle. Mais elle est facile à emmener. Le volant, il est super à prendre en main. Il est très très agréable, très fin. Celui d'origine était trop gros, c'était un volant de camion en fait. Ah non, mais là, c'est vraiment fait. Je dirais qu'il est vraiment fait pour. Puis là, on a un meilleur ressenti train avant avec le petit volant. En plus, la direction est quand même beaucoup assistée, je trouve. C'est pas faux, c'est vrai. Je la trouve beaucoup assistée. Après, on sent quand même les aspérités et tout. C'est quand même, ça reste une direction mécanique. C'est quand même assez précis. Le passage de rapport, il est fluide. C'est vraiment sans accro. Je suis vraiment agréablement surpris par le confort, malgré qu'elle ait des combinés filetés. Elle est très très souple. Elle est vivable tous les jours, en fait, ouais. Si on veut. Même quand on l'attaque et qu'on la malmène un petit peu, elle est quand même assez vive. Et t'as vu, elle fait pas de mauvaise réaction, elle sautille pas ni rien. C'est très très sain. Alors voilà, le gros défaut que moi je lui trouve dans sa conduite, c'est qu'elle est trop sage. C'est-à-dire que c'est une voiture qui est très neutre au niveau comportement. Mais ça, c'est ma faute, c'est parce que voilà, je l'ai trop rabaissé. Enfin, c'est parce que faudrait que je mette des camber kits pour enlever un petit peu du carrossage. Parce que. Je crois que j'ai moins de 3 de carreau. C'est vrai que ça glisse pas du tout. En ça fait. Glisse pas. C'est pas joueur. Non. Mais d'un autre côté, elle est rassurante en fait. Elle est incisive. Voilà, c'est ça. Et puis, assez coupleux aussi. Pour une Honda, c'est assez rare. On n'a pas besoin vraiment de jouer avec les hauts régimes pour l'emmener assez vite. Non. Pas besoin de rétrograder en 2 pour les relances. En 3, ça part très très bien. Et là, vous voyez, on est à même pas 80 et tout, pas besoin d'hausser la voix malgré qu'elle ait une sortie, silencieuse, un peu custom. Je l'ai pas dit, mais il y a le réseau interne de la botère qui a été supprimé et il y a un filtre KN. Il y a un très très beau bruit d'admission qui est très très agréable et on sent vraiment que le bruit vient du moteur quand on roule. C'est une bonne sensation. Et les pièces que tu as posées sont faites c'est avec goût et ça la dénature pas. Merci Ben. Et en plus de ça, ça l'a rendu encore plus cool, je pense, à la conduite. J'ai pas eu la chance de l'essayer avant. Suspension contre 30 ans, les freins, tu arrives au bout parce que tu as les durées d'origine qui gonflent. Déjà qu'ils sont petits, c'est du 262 devant, donc et c'est petit sans être petit, mais. Ouais. Ça va, c'est suffisant. C'est suffisant. Pour la puissance et le poids qu'elle emmène, c'est largement suffisant. Pour ce que j'en fais surtout. Après, je pense que si tu la mets sur piste, ça risque de chauffer au bout d'un quart d'heure. Il y a un côté mécanique chez Honda qui est pas forcément présent chez les autres marques parce que c'est des moteurs mais fabuleux. Honda, de toute façon, pour moi, en équivalent, il n'y a que BM. En termes de motorisation. Ouais, c'est deux motoristes de génie, ouais, qui
font des moteurs de folie, pas forcément des grands cylindrés, mais des moteurs qui sont vivants, qui prennent des tours. Il y avait Alpha aussi. Hein, dans Alpha, dans, ouais. Dans, mais Alpha avant 2000, quoi. C'est des moteurs, c'est de la mécanique qui nous marque, en fait. La vraie voiture de passionnés, faite par des passionnés pour des passionnés. Même dans des voitures entre guillemets random comme celle-là, on retrouve la passion un petit peu. Oui, parce qu'en fait, à la base, c'est pas du tout péjoratif que je vais dire, mais cette voiture-là, à la base, c'est une voiture chiante. C'est une voiture chiante. Quatre parce que, traction, 4 cylindres, confortable, 130 chevaux, ça fait rêver personne. Et là, en fait, elle a rien, en fait, à part les fités, les combinés fités. Combinés, les freins. L'admission qui est un peu travaillée et la demi-ligne derrière, elle a rien cette auto, elle est toute d'origine. Déjà, c'est un plaisir à rouler, que ce soit en balade ou en petite arsouille, elle est plaisante dans les deux côtés. C'est atypique, ouais. On prend du plaisir, ouais. Et ça coûte pas cher. Pour moi, le cahier des charges était rempli. Je voulais absolument vous la présenter parce que la chaîne n'est qu'à ses débuts. Mais je veux vraiment que ce soit une palette éclectique, qu'on ait de tout, que ça puisse plaire au maximum de personnes. Et c'est le genre d'auto qu'il faut mettre en avant parce que au final c'est pas connu. C'est pas connu. Là en tournant, on a passé 4 heures à tourner ce matin. Plein de gens se sont arrêtés, ça m'a demandé ce que c'était, qu'ils l'a trouvé jolie et tout, alors que c'est une caisse des années 80, 90 qui je, est. Je veux pas dire mais il a fait du racolage. Coucou à toi si tu nous regardes avec ton Audi et ta Corolla. C'est vrai. Dans le respect de la nature. Coucou Ben. Bon bah c'est déjà la fin de cette vidéo, enfin déjà on sait pas du tout combien de temps ça va faire. Ouais. Grand merci mon pote pour, merci à toi, pour le, grand, le bel essai qu'on a fait aujourd'hui. Si vous voulez voir d'autres vidéos de ce calibre avec d'autres autos, abonnez-vous, c'est méga important. Ouais. Abonnez-vous aussi à mon Insta et à mon Facebook. En tout cas encore merci Rudy. Merci beaucoup. Moi je vous dis à dimanche prochain, je vous fais des bisous, à bientôt. Bye bye.